Jusqu'à 14h, vous écoutez La France bouge avec Raphaël Duchemin, une émission à laquelle vous pouvez participer grâce au 39-21, 50 centimes la minute, ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et tout de suite, c'est la solution du jour. Comment sauver le corail, menacé notamment par le réchauffement climatique, et empêcher en même temps une usine de s'étioler et lui redonner en quelque sorte vie? A priori, c'est vrai qu'on ne voit pas le lien entre les deux. Pourtant, Maude Descamps, ces deux univers sont désormais indissociables grâce à un artiste plasticien. Exactement, et cet artiste, c'est vous, Jérémy Gobet, bonjour. Bonjour. Alors vous avez mis au point une solution qui permet donc de sauver le corail en le faisant pousser sur de la dentelle produite au Puy-en-Velay. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ? Oui, alors pour l'instant, c'est en tout cas une belle aventure et une lancée. L'idée, c'était de relier vraiment l'art, la science et l'industrie autour d'un projet à la fois porteur, à la fois viable économiquement et qui est un modèle pour la société. Moi, je suis artiste plasticien, donc j'ai deux sources d'inspiration dans mon travail qui sont les usines en fermeture, les savoir-faire oubliés, que j'essaye de remettre en jeu à travers des œuvres et de montrer en quoi ils ont encore des résonances avec notre société contemporaine. Et aller aussi chiner des objets, des matières auxquelles je sens qu'il y a encore un pouvoir de création autour. Et ces deux éléments se sont combinés lorsque HS Projet, qui organisait le Festival International des Textiles Extraordinaires à Clermont-Ferrand, m'a invité à faire une carte blanche et j'ai entendu parler de la Scope Fontanil. Et à la première visite de cette usine, j'ai découvert le point de dentelle local, qui est le point d'esprit, et qui ressemble vraiment au niveau du motif à un des squelettes coralliens que j'utilisais dans mes œuvres plastiques. Et du coup, je connaissais beaucoup l'état des coraux à travers chaque sculpture. Et je connaissais l'urgence aussi environnementale qui était liée au corail. Et tout de suite, ça a fait tilt. Je me suis dit, il faut associer les deux. Et après, avec Isabelle Lomar-Coulon du Muséum d'Histoire Naturelle, on a créé un protocole scientifique et c'est là que l'aventure a commencé. Donc ça veut dire que la dentelle ressemble au corail et que vous vous êtes dit, on peut s'en servir de tuteur, c'est ça, pour le faire pousser, repousser par-dessus. Ouais, en fait, le point d'esprit, le motif traditionnel de la dentelle, ressemble vraiment au motif qui est créé par le squelette. Le corail, c'est un organisme animal très complexe et il produit lui-même un squelette et ce squelette, en fait, le crée un motif. Et quand j'en ai parlé à Isabelle Domar-Coulon, elle m'a expliqué que la recherche actuelle en biologie marine autour du corail pour sa préservation, c'était de trouver ce qu'on appelle un substrat, un tuteur, en fait, pour le dire autrement, pour développer du corail et pouvoir développer des nouvelles colonies. Delphine ? Elle est totalement interdite. Oui, ouais. Oui, je suis complètement interdite. Je suis consciente a priori des problèmes environnementaux, en particulier touchant le corail, mais je n'imaginais pas. Alors concrètement, ça se passe comment ? C'est-à-dire que à quel moment la dentelle sert de où, quand, comment ? Enfin, ouais, plus concrètement. Dans nos protocoles de recherche, il y a deux stades. Il y a le stade de ce qui s'appelle la bouture. En fait, on prend une colonie de corail, un morceau assez gros de corail. Donc on va couper, réaliser une bouture. C'est-à-dire on coupe un morceau qu'on dépose sur la dentelle et en fait on voit comment les deux rentrent en cohésion et comment le corail cicatrise. Et en fait l'avantage aussi, ce que j'ai pas dit pour la dentelle, c'est que c'est en coton et le coton c'est biodégradable dans l'eau. Donc on est en train de tester, de vérifier, mais normalement l'idée c'est que ça ne développe, ça, en se dégradant, le moment où le corail se développe, il se dégrade et normalement il ne devra pas rejeter de substances chimiques. C'est comme une greffe entre le corail et le coton. Exactement, comme un tuteur en fait, c'est vraiment une surface. Ouais, détruit au bout d'un moment. Exactement. Pour laisser la place au corail. Tout à fait. Et l'idée, là, c'est ensuite de réintroduire, du coup, ce corail dans un milieu naturel ? Alors, il y a plusieurs stades. Là, le stade où on en est, on a testé, donc, je parlais des boutures. Il y a aussi les larves, en fait, des larves de corail qu'on dépose sur la dentelle et qui, in fine, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'elles se développent et créent des nouvelles colonies. Donc, ça permet, en fait, ce qu'on appelle, c'est un peu comme les fermes de corail. Il y a déjà des développements de corail, sauf que là, l'idée, c'est d'avoir un matériau écologique. Donc il y a ce stade-là, le stade de préservation des espèces aussi, parce que ça c'est très important, parce qu'il y a des espèces de coraux qui sont tellement menacées qu'elles vont disparaître, donc ça permettra d'avoir des espèces de coraux en bon état et de les conserver. Et après, in fine, une fois qu'on a réussi à développer des colonies de corail sur la dentelle, pourquoi pas essayer de les réintroduire sur le récif. C'est pour quand, cette réintroduction ? Ouais. C'est bientôt ? Alors,
C'est à l'échelle de l'humanité, c'est bientôt. Mais en fait, là, pour l'instant... Le test, parle du test. En gros, là, on a fait tous les tests en laboratoire qui commencent à être vraiment concluants. Et on part le mois prochain en mer Rouge pour faire des tests in situ. Donc en décembre, il y aura un petit bout de dentelle corail, on va l'appeler comme ça, au fond de la mer. Ouais. Alors, on a parlé de la Scope Fontani, donc qui produit cette dentelle. Mais quand ils vous ont vu arriver, vous leur avez dit « je vais faire pousser du corail », ils vous ont dit quoi ? En fait, c'est un peu l'inspiration de mon travail, c'est ça, c'est d'arriver à créer un langage commun. Donc, avec les industriels, les artisans, c'est toujours comme ça. C'est un artiste plasticien qui arrive, il y a forcément un a priori. Donc d'abord, j'ai voulu comprendre et apprendre leur technique et leur savoir-faire, leurs contraintes aussi, pour pouvoir développer un projet. Donc en gros, il y a eu cette phase d'apprivoisement. Et je suis arrivé en montrant patte blanche et en montrant que j'étais là pour collaborer avec eux et pas leur imposer une idée. Donc ça s'est fait assez naturellement finalement. Avec donc la coopérative Fontani au Puy-en-Velay. Merci Jérémy Gobet. On va suivre évidemment sur Europe 1 la suite de cette dentelle corail et de son aventure. Merci à Delphine Plisson.